Bonjour, je m'appelle Marie-Dominique, j'ai 33 ans et j'aimerais partager mon expérience du Marathon des Langues puisque ça fait maintenant plusieurs mois que je suis à la formation parler anglais en 6 mois et pas dans 10 ans. Donc pour moi, ce n'est pas ma première formation puisque j'ai essayé de me remettre à l'anglais il y a à peu près 3 ans, mais j'avais un gros blocage à l'oral, j'avais jamais réussi ni osé passer le cap et grâce à la formation du Marathon des Langues, j'ai pu avoir mes premières conversations, parce que ça fait maintenant 6 mois que je communique toutes les semaines pendant 2 heures avec ma partenaire de langue. C'est une expérience vraiment enrichissante et j'ai pu me faire une amitié grâce à ça. Donc je suis vraiment conquise par la formation du Marathon des langues qui est très très efficace et je la recommande vraiment à 2000% parce que c'était pas gagné au départ pour moi. J'avais un très mauvais souvenir et une mauvaise expérience aussi de mon anglais à l'école. Même plus tard, quand j'ai commencé mes études supérieures et qu'il fallait que je maîtrise l'anglais pour ce que je voulais faire, c'était assez compliqué parce que je n'avais pas un bon niveau. Je me suis réorientée vers autre chose après, c'était par choix personnel, pas à cause de l'anglais, mais j'étais soulagée de ne plus avoir besoin de faire d'anglais. Et je ne pensais pas m'y intéresser un jour. Hein. Pour moi, l'anglais, j'étais nulle, point barre, et j'avais aucune chance d'y arriver un jour. Ce qui m'a réconciliée avec cette langue, c'est la lecture en fait, parce que j'aime beaucoup lire et que souvent je me retrouvais sur des cliffhangers à la fin de certains livres, parce que la suite n'était pas disponible en français, et donc j'avais pas la possibilité de la lire. Donc j'ai voulu me remettre à l'anglais pour avoir la liberté de lire tout ce qui me faisait plaisir quand j'en avais envie. Et donc c'est pour ça que j'ai fait une petite formation, j'ai essayé de me remettre à l'anglais, mais c'était que de la théorie, hein. J'ai recherché une formation purement théorique parce que j'avais ce gros blocage à l'oral, ma timidité qui m'empêchait vraiment d'aller de l'avant, de sortir de ma zone de confort et de me lancer. Et je croyais à tort, je me suis rendu compte plus tard que je m'étais complètement trompée, mais je pensais que si j'étais capable de lire et de comprendre de l'anglais, je serais forcément capable de comprendre d'autres personnes quand elles me parleront. Et donc c'est un voyage au Portugal qui a été aussi un élément déclencheur. Parce que là-bas, eh bien, je me suis retrouvée dans des situations où il fallait que je communique en anglais et il m'a été impossible de le faire malgré cette petite formation de 3 mois. Donc, je n'ai pas atteint mon objectif à la fin de cette première formation. J'ai essayé de lire un livre, mais je me suis arrêtée à la moitié parce que cela me demandait vraiment beaucoup d'efforts. Je n'avais pas assez de vocabulaire et encore des difficultés même dans la compréhension des règles de grammaire. Donc voilà, et j'étais un petit peu découragée. Et donc quand j'ai cherché à une autre formation, enfin vraiment à m'y remettre plus sérieusement, parce que cette fois j'avais décidé de passer le cap de l'oral aussi, malgré ce gros blocage, j'ai découvert la formation du Marathon des langues qui m'a tout de suite conquise grâce à son contenu, parce que c'est une formation qui est hyper complète. J'ai fait beaucoup de recherches, hein. J'ai cherché longtemps la formation qui me permettrait de décoller efficacement en anglais et c'est la seule formation que j'ai trouvée aussi complète que ça. Il y a plein de bons conseils, il y a des fiches pédagogiques, il y a des podcasts et les fiches pédagogiques d'ailleurs je regrette de ne pas les avoir connues plus tôt quand j'étais à l'école parce que je pense que ça m'aurait vraiment aidé, une aide précieuse pour décoller mon anglais. C'est vraiment des fiches qui sont très très bien conçues hein, pour avoir ses premières conversations et se débrouiller dans 80% des cas, donc c'est énorme. Et puis après ça, c'est vrai que la formation est découpée en 6 modules et que chaque module traite d'un sujet en particulier. Comment dire, ça avance par progression. Et si on suit bien chaque étape, on est sûr d'y arriver au final. Donc, pour moi, au vu de mes difficultés, je peux dire que ça fonctionne vraiment. Je ne pensais pas être capable de faire un jour tout ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Donc, c'est franchement énorme. J'avais un gros, gros manque de confiance en moi et grâce au conseil de Lauriane. J'ai réussi justement, eh bien, à passer outre ces grosses difficultés hein, qui me bloquaient vraiment, qui m'empêchaient de progresser, de sortir de ma zone de confort. Ce sont des conseils que j'ai appliqués aussi dans d'autres aspects de ma vie personnelle. Et qui m'ont aidé à réaliser d'autres projets et que j'applique aussi avec mes enfants quand ils sont confrontés à des difficultés scolaires ou autres pour les aider à trouver confiance en eux. Donc franchement, c'est vraiment efficace, ça fonctionne vraiment et je suis conquise mais à 100%. Je recommande cette formation vraiment, vraiment à 2000% même. Et franchement, pour moi, je n'ai pas trouvé de formation plus complète.
C'est vraiment efficace. Donc, eh bien, j'espère avoir partagé un petit peu ma motivation parce que moi, j'ai réussi à atteindre mes premiers objectifs. Hein, parce que voilà, il y a encore d'autres objectifs. Hein, j'arrive un peu à lire en anglais, j'arrive à communiquer. Bien sûr, maintenant, bah, il faut encore s'améliorer, c'est pas fini. Mais grâce au conseil de Lauriane et surtout à sa motivation, je prends plaisir en fait à apprendre l'anglais. C'est vraiment du plaisir. Hein. Je n'apprends pas l'anglais par nécessité. J'apprends l'anglais parce que j'ai envie d'y arriver et j'ai redécouvert cette langue et je prends vraiment du plaisir dans mon apprentissage. Et surtout, Lauriane a beaucoup de motivation qu'elle partage avec tout le monde. Donc ça, c'est une grande aide. Et voilà, c'est une grande aide pour ne pas se décourager, parce qu'il y a des moments parfois où on se décourage. Donc, elle est toujours là avec ses bons conseils pour nous aider. Et donc, si vous décidez de passer le cap, eh bien, bienvenue dans cette formation et sur notre groupe privé Facebook, parce que sur notre groupe privé, il y a tous les élèves qui sont là pour partager leur succès et leurs difficultés. Et ça, c'est sympa aussi, parce que ça permet d'échanger et de se motiver entre nous. Donc, eh bien, je veux, comment dire, vous motiver à passer à l'action. C'est vraiment une formation, efficace. Bye bye!